et Saint-Marc pour nous retrouver correspondant Nixon Denis, puisque nous apprenons qu'il y a 4 prisonniers qui ont des problèmes de santé à manger. Ils n'ont pas joindre, eh bien, ils ont mouru dans la prison civile Saint-Marc. D'après sa commissaire gouvernement, M. Vincent François a annoncé plus de détails avec Nixon Denis. Nixon, bonjour. Bonjour, bienvenue, c'est Lydia Alexandre. Nous saluons Pierre-Winel René. Nous saluons Johnny Ferdinand. Profitez, saluons c'est là où capture le journal Grand Boulevard à travers radio-télévision des âmes du pasteur Joseph Ordanis. Nous saluons c'est là où qui sous vibration interne. Dynamique FM, l'antimonite. Nous pas oublier c'est là où qui sous radio Delta. Nous galaxies. Nous profitez, saluons amis Fort Lauderdale d'ailleurs qui toujours à suivre dans le temps. Qui toujours besoin qu'on ait tout ça qui a passé dans Balatibonka avec Ronnie Tinus. Nous pouvons aller rapidement en tant qu'on dit le guerrier Diesel, donc situation est vraiment mangomée dans la prison civile à Saint-Marc, puisque nous connaissons que gagner un paquet de CEO en grève, donc qui ont même cap réclamé et même avantage ensemble avec Jujo, donc ce qui fait que le tribunal là n'est pas capable de travailler, greffier autour. Donc il y a eu un protocole d'entente avec le ministère de la Justice, protocole ça. Donc, qui, par exemple, respecté, ce qui fait que, tribunal, première instance en Saint-Marc, depuis le mois de mars, à qui se passe ça, et même avant, donc, l'est paralysé, l'est pas fonctionné, ce qui fait que, monde qui est en prison, yo pas capable de passer devant le juge, pour qu'on ait exactement, combien de temps, yo là, pour en prison, en fonction de sentence, ou du moins, est-ce que vous avez une libération, yo, et malheureusement, guerrier de sel, des 4 là, dans yo, à qui mourit, gagné, qui c'était problème de santé, donc, qui tape diarrhée, et gagner tout ces problèmes et bien qui t'ai gagné ça relé VIH sida donc qui t'est malade et gagner tout qui yo même pas de joindre manger pour te manger donc ce qui fait que et actuellement donc selon le commissaire gouvernement paquet Saint-Marc maître Vincent François pour le moment yo enregistré 4 cas de décès suite à et bien tribunal là qui pas capable travail donc puisque paquet yo donc c'est pratiquement commissaire Vincent François qui lui-même a toujours répondre présent dans un paquet Saint-Marc qui a prêté toute qualité de dossier, sauf que elle n'est pas capable de prendre siège, puisque paquet CEO qui en grève, n'a pas gagné l'autre paquet et en même temps tout, gagné greffier CEO qui lui-même pas de travail. Donc ils ont actuellement, selon explication du comité gouvernement dans le cadre d'une interview, lui a accordé Radio Caraïbe FM, des plus passés, et même 600 prisonniers qui actuellement dans la prison civile à Saint-Marc, alors que la prison n'est pas construite pour quantité de monde. Donc, appel lancé. Donc, ouais, finalement, est-ce que le ministère de la Justice peut jouer une solution avec Paquitéo, ou du moins, que est-ce qu'il peut jouer tout, une solution avec greffier pour permettre que le tribunal-là, lui, capable de reprendre le travail. Et puis, l'autre information guerrière qu'on a partagé rapidement avec les amis, eh bien, nous connaissons la question de sécurité. Donc, la population qui décide qu'ils sont bois calés pour être capable mais bail bandit qui a pourri quitter l'autre zone pour capable de refuser facilement dans le cité Nissage à Sagéa. Donc, il y a une pile disposition autorisée. Mais malheureusement, guerrier qui n'a pas daté ça matin. Donc, policiers ne peuvent pas répondre à l'appel puisque, selon information, commissariat Saint-Marc est pratiquement grand pile dans le policier Idmo Sayo. Donc, il y a plus été au niveau de service immigration. Et bien même policiers administratifs, les policiers qui en crème, qui en bleu crème, donc ils ont même tout, ils ont fait ça et les rotations, donc côté que semaine ça on capable de policiers idmo et l'autre semaine c'est policiers en crème, donc c'est eux mêmes qui pratiquement arrêtés au niveau service immigration, donc population li a besoin support autorité policière malheureusement jusqu'à présent ils sont pas capables mais comme tout que guerrier. Donc, le commissaire gouvernement, qui lui-même fait en pile diligence avec certains policiers qui veulent travailler. Donc, il y a plus de bandits qui sortent dans l'autre commune, surtout dans le département de l'Ouest, à pays d'Haïti, qui viennent faire office dans la cité d'Itage à Sagem, une population déjà partagée, information avec autorité, des dispositions qu'après, dans le jour du président. Mais, et ça n'a pas empêché que, derrière, surtout tout national-là, au niveau des souliers, au niveau de consonder, eh bien, la population, yo, arrangé, yo, et ça nous a des brigades à vigilance, c'est même cap fouiller de monde pour garder effectivement est-ce que ou pas, est-ce que le monde n'a pas des armes, est-ce qu'il n'a pas gagné en munitions. Donc, et, puisque nous connaissons qu'au niveau de Capoupé jusqu'à présent, c'est toujours base à Gangifla qui est en tête de Luxon et là, puisque ça a toujours sorti
Et bien, sur national, là, c'est qui fait que nous avons bien piqué, nous passons dans un côté qui est Savary pour sortir du côté, et bien, du cadeau, puis on capable de continuer route là. Maintenant, l'arrivée du côté de l'État, et c'est là un problème là, toujours à poser, malgré, nous connaissons, ça va faire longtemps que DDA qui vient en tête de Roger Goodson jeune, nous avons fait une intervention pour être écrasé à base de la Croix-Périsse. Donc, base ça, monsieur, on continue à kidnapper le monde, et selon l'information que l'arrivée journaux, il y a plusieurs monde qui actuellement nommé membre base à Corporation Ratio qui ont même continué à faire la pluie et le beau temps. Qui leur, ils ont pris à écraser différentes bases qui existaient dans Vallée la Tibonite, par exemple, Tigris qui trouvait du côté de Liancourt, puisque nous avons toujours des difficultés, eh bien, guerriers qui sont capables de passer dans la zone ça. C'est actuellement, c'est du côté de Grand Fond. Et que nous plus utilisé puis capable de passer, mais entre temps tout, et l'arrivée du côté de Venot, eh bien, il y a de brigades de vigilance, puisque Mounio n'a pas vraiment joué un support autorité policière, ce qui fait qu'il a organisé en brigade de vigilance. Il a veillé un peu partout, ça va faire longtemps. Il y a un jeune garçon qui lui-même s'est fait partie de base à Grandville qui est habitué, eh bien, utiliser plastique, mettez dans même Mounio pour pas bouler, la guise plastique, gomme plastique sous Mayo. Et M. Tabral prend et ça a été bois calé, ça va faire longtemps du côté de Venot. Donc Mounio organisé sous pas des pièces et guerriers d'essel, eh bien, la extrêmement difficile. Donc, sous pas vos proches qui capable de Moussa n'est pas bandit, eh bien, lui très facile ces derniers temps, eh bien, puis au passé à l'infinitif. Donc, pratiquement, on a dit que les populations sont organisées plus ou moins, mais ils ont besoin de support autorité. On l'autre fois encore, on a lancé appel avec directeur départemental PNH Latibonita, Roger Goodson-Jeune, ensemble avec tout commissaire policier et inspecteur, pour être capable de chercher pour une responsabilité au derniers temps que les policiers, en pile dans les gens qui n'ont pas donc son droit qui ont gagné, mais en même temps tout, en pile dans les pas à le travail, donc ce qui fait que la population qui était attendre un support massif de la part de agent PNH, ils pas vraiment répondre à l'appel, ce qui fait que pour en pile dans le bandit au cap pour quitter la capitale haïtienne dans vous, vous refuge, surtout dans la vallée de la Tibonite, et bien population, il y a difficulté pour capable mettre la patio, malgré que l'information de temps en temps, il y a bien joué nous partager avec l'autorité, mais guerrier pour qu'on gagne action qui posait jusqu'à présent.